J'ai le plaisir de vous retrouver cette année pour la 5e édition afin de discuter avec vous les dernières actualités en ophtalmologie, notamment sur le plan pratique. Comme vous savez, les thèmes principaux cette année, c'est l'inflammation et la myopie, avec des enseignements pratiques sous forme d'ateliers et de chirurgie commentée en direct. Vous avez remarqué dans le programme que vous avez créé la présence d'orateurs internationaux imminents en la matière, notamment dans l'inflammation, qu'on a l'honneur de les recevoir aujourd'hui, ainsi que des orateurs dans le glaucome, la myopie et les autres disciplines. Et tout ceci pour partager avec vous leur expérience, leur savoir-faire, et afin de résoudre pas mal de problèmes diagnostiques et thérapeutiques. Comme vous savez, notre devise est d'améliorer surtout la pratique quotidienne de l'ophtalmologie au Maroc. Les ateliers auront lieu le samedi après-midi, donc je vous invite tout le monde à choisir, comme cela on vous l'a expliqué ce matin au secrétariat, il faut choisir un atelier pour pouvoir nous aider à répartir les ateliers selon la présence en fonction des actes. Ainsi que, bien sûr, j'inviterai les orateurs à respecter le timing pour qu'il n'y ait pas de débordement, qu'on ne sera pas obligé de supprimer certaines communications. Une tombola sera bien sûr organisée le samedi, ainsi que la remise des médailles en fin de journée. Cependant, la chirurgie en direct, vu les cas qui ont été filmés, on ne va pas la commencer à 8h30. De toute façon, le vrai programme commence à 8h30, mais pour les studios parmi vous, on va la faire démarrer à 8h, comme ça il y aura des cas intéressants, on aura le temps de présenter pas mal de cas de chirurgie. Et au nom des membres des JOP, sans tarder, j'annonce l'ouverture de la 5e congrès des JOP. Je vous souhaite un bon congrès. Et à ma joie. Et les panélistes, merci de vous.